chargeur. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Éteins. La peinture. Aujourd'hui, Peppa et George font de la peinture. Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table. Oui. Papa Pig est en train de lire son journal. Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Hourra! Maintenant, on peut commencer à peindre. Arrête, George! Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture. George adore peindre avec ses doigts. Peppa adore peindre avec ses doigts. Très joli. Je peux avoir une pomme de terre, Maman Pig? Elles ne sont pas encore cuites, Papa Pig. Tu as déjà faim, Papa? Mais je ne vais pas la manger. Regardez. Que fait donc Papa Pig? Waouh! Bon, qui peut me dire ce que c'est? C'est une fleur! Tu es doué, Papa! Oh, 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 oh. J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet. Où sont mes vieilles affaires de peinture? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? Oh, 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 oh. Ça, c'est mon béret. Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux. Voyons, qu'est-ce que je vais peindre? Très bonne idée, George. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh, oh. Non, Peppa. Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert, là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe, ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches, alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Oh! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches. Oh! Papa, je peux peindre les cerises? D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. 1, 2, 3. Très joli. Maintenant, c'est au tour de George. Tu es un grand artiste peintre, George. Et voilà, le tableau est terminé. Hourra! Oh, voilà les canards. Bonjour, Madame Duck. Nous peignons un tableau. Les canards piétinent les peintures de Papa Pig. Zou, zou! Vilain canard! Zou, les canards, zou! Éloignez-vous de mes peintures! Oh, oh là là! Les canards ont fait des empreintes de pattes en couleur sur tout le tableau. Catastrophe! Qu'est-ce que c'était que ce raffut? Maman! Les canards ont abîmé notre peinture! Faites-moi voir. Oh, dans le jardin, les canards font des empreintes de pattes qui ressemblent à celles du tableau. Le tableau de papa n'est pas abîmé, Peppa. Il est parfait. Hourra! Oh, c'est vrai. Je suis un véritable expert en peinture. Et tous ces canards aussi. Peppa et George sont contents parce qu'aujourd'hui, ils partent en vacances. Oh, mais où est papa? Il va bientôt revenir avec une belle surprise. Oh, mais
Et qu'est-ce que c'est? C'est un camping-car. Et nous l'avons loué pour les vacances. Il y a tout le confort à l'intérieur. Ce bouton ouvre le robinet. Waouh! Et celui-là allume le téléviseur. Et à quoi sert ce bouton? Je l'ignore. Pour le moment, mieux vaut ne pas y toucher. Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances? Oui, Maman Pig! Alors, en route! On est prêts pour le grand départ dans le camping-car. cette carte n'est pas vraiment claire. Papa, j'espère qu'on ne va pas se perdre. Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne. Tiens, tiens, c'est bizarre. Sommes-nous perdus? Oui. C'est Papy Dog avec Danny. Bonjour, papa. Bonjour, Danny. On s'est perdu. Perdu? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3250. Il est équipé d'un GPS. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Ah! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voix de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. Merci de votre aide, Papy Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêts pour le grand départ dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile faible. C'est quoi, l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors, ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non. On peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai! Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a... disparu. Voilà Maman Sheep et sa fille Suzy. Bonjour, Suzy. Mais... Bonjour, Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai. Il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Bien vu, Madame Sheep. Le camping-car a le moteur à l'arrière. Et voilà. Ça devrait suffire. Merci, Madame Sheep. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Montez sur la prochaine colline. Vous êtes arrivé à destination. Youpi! C'est l'heure d'aller dormir. Mais où sont les lits? Maman Pig et moi allons dormir sur celui-ci. Oh! Et vous, vous allez dormir à l'étage. Comment ça, à l'étage? Il n'y a pas d'étage. Oh oh! Tu vas voir. Le toit du camping-car peut se déplier. En fait, c'est comme une maison, mais en plus petit. Pendant les vacances, ce sera notre petite maison. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit. Lavage de la voiture. Papa Pig a décidé d'emmener toute la famille en promenade. Alors, tout le monde est prêt? On est prêt. Oui, Papa Pig, on peut y aller maintenant. Oh, mais la voiture n'est pas prête. Elle est vraiment très sale. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Tu devrais voir l'état de l'intérieur. Oh! Quel vilain papa qui salit tout. Oh, le vilain papa qui salit tout.
Qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires qui traînent? Des journaux. C'est à moi. Un paquet de bonbons. C'est à moi. Monsieur Dinosaure. Dinosaure. On ne peut pas partir avant d'avoir nettoyé cette voiture. Oh, tu as tout à fait raison, Maman Pig. Et nous aussi, on peut nettoyer la voiture? Oui, si vous voulez. Youpi! Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude savonneuse pour la laver. Papa Pig lave le toit. Maman Pig lave le capot. Peppa lave la porte. George veut laver les vitres. Mais il n'est pas assez grand. Pauvre George, je vais te porter. Oh non, George a fait tomber son éponge dans la boue. George, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture? Je veux nettoyer la saleté. Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale. Oh là là, Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre. Oh. C'est pas grave. On va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver. Oui, oui. Je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, oh, oh. Oh, Peppa, arrête! Pardon, maman. Oh. Oh, Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau. Oh. Inutile de paniquer. Oh là là, tout le monde est trempé. Au moins la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Allez vous sécher pendant que je la fais briller. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Papa Pig a tellement frotté la carrosserie qu'il peut se voir dedans. Quel drôle de visage. Oh, en voilà d'autres. C'est Peppa et George. Et Maman Pig. Elle n'a jamais été si propre. Oui, j'ai toujours été un expert en lavage de voiture. Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est prêts. Alors, en route. Nous allons éviter de salir la voiture aujourd'hui. Oui, Maman Pig. Oui, Maman Pig. Oh! Maman, c'est toi qui as sali la voiture aujourd'hui. Oh, 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 oh. Quelle vilaine maman. Vilaine maman qui salit tout. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh, Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brownbear. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, docteur. C'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et
quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très très bon. Berk! Ça a un goût de vieille chaussure pleine de confiture. Merci beaucoup, Dr. Brownbear. Au revoir! Au revoir! Au revoir. Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Susie Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants. Vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, Dr. Brownbear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brownbear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mamselle Poupy a une poupée qui... Oh non, c'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Berk, c'est un goût de vieille chaussette à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brownbear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brownbear. Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Oh! Qui cela peut-il être? Coucou! On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un coussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk! Ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Ouh! Ma cousine Chloé. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Lance-le-moi. Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges. On suit les règles. Ça veut dire que j'ai gagné. Maintenant, à mon tour. J'ai encore gagné. Peppa, Georges, aujourd'hui, votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite. Youpi! Cousine Chloé! Georges, c'est une grande fille, Chloé, comme moi. Alors, il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi. Oh, non. Je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux. Ça y est, la voilà! Dantin Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa. Chloé est la cousine de Peppa et Georges. Elle est un peu plus âgée que Peppa. Bonjour Chloé. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Bon, à tout à l'heure. Si on joue à un jeu? Oui, on peut jouer à chat. Peppa aime bien jouer à chat. Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés. Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que Georges aime beaucoup ça. C'est tout. D'accord, on va jouer pour Georges. Qu'est-ce que vous suivez comme règle? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment. C'est moi qui commence. Peppa, c'est toi qui y es. Essaye de m'attraper.
C'est Peppa le chat. Elle doit attraper Chloé ou Georges. Tu ne peux pas m'attraper. Georges, je vais t'attraper facilement. Tu es petit, tu ne peux pas courir vite. Non, c'est pas juste. Tu peux pas aider Georges. J'ai le droit parce qu'il est petit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis grande maintenant. Alors vas-y, Peppa, essaye de nous attraper. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il est idiot ce jeu. On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. Georges, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Hein, c'est vrai, Georges? C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah! Peppa, je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste, ça a duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. Georges a gagné. Jouer à un autre jeu? Si, mais seulement si c'est un jeu pour les grands. J'ai une idée. Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands. Attendez-moi, je reviens. Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé. Non, merci. Je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue. Oh, oui, moi aussi. Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue. En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande. C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue. Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue, eux aussi. Oui, tu dois avoir raison. On arrive! On arrive! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Même les grandes filles. Une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa. À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui.
Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis prête. Oh, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme. Oh. Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, 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 simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig nettoie ses outils. Maman! Maman Pig est revenue. Maman! Oh, maman est rentrée! Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà. Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire. Une chaude journée. Le soleil brille. C'est une chaude journée. Il fait très chaud aujourd'hui. Peppa et George ont mis leurs bottes en caoutchouc pour sauter dans les flaques de boue. J'aime bien sauter dans les flaques de boue. Oh, oh là là, il fait si chaud que les flaques se sont asséchées. Maman, papa, il n'y a plus d'eau dans la flaque. On ne peut pas éclabousser partout. Ce n'est pas grave, Peppa. Puisqu'il fait si chaud, vous ne pouvez patauger dans le bassin gonflable. Oui, on va jouer dans l'eau. Mais avant, il faut aller mettre vos maillots de bain. D'accord, maman. Peppa et George ont mis leur maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Et Papa Pig aussi a mis son maillot de bain. Le soleil tape trop fort. Il faut mettre de la crème. Brrr, elle est grasse, cette huile. C'est dégoûtant. Oh, 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 vous en faites des histoires pour un peu de crème. Oui, on a tous besoin de crème aujourd'hui. Oh, 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 allez, George. On va mettre de l'air dans le bassin gonflable. Papa Pig gonfle le bassin en caoutchouc. Pouf, simple comme bonjour. Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Maman Pig ouvre le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Peppa et George s'amusent dans le bassin gonflable. Des glaces, qui veut des glaces? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces.
des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud. Maman, papa, on peut avoir une glace, s'il vous plaît? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Tout le monde aime les glaces. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui, Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît. À nous deux, mon petit Georges. Qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges! Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure! Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde. Dinosaure! Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger. Merci, Madame Rabbit. Passez une bonne journée. Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle ne tombe par terre. Ouh là là, la glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre. C'est pas grave, Georges. Tu n'as qu'à manger celle de papa. Je suis sûre qu'il ne dira rien. Il fait si chaud que Papa Pig s'est endormi. Papa Pig a l'air d'avoir chaud. Si on lui lançait un peu d'eau sur la figure pour le rafraîchir. Très bonne idée, Peppa. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu étais tout rouge tellement tu avais chaud. Alors on a décidé de te lancer de l'eau. Ah, je comprends. Merci, Peppa. Regardez, il y a de l'eau dans les flaques. Vite, Georges, on va chercher nos bottes. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa et Georges aiment bien quand il fait chaud, mais ce qu'ils préfèrent, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Le rangement. Peppa et Georges jouent avec leurs jouets dans leur chambre. Georges, j'ai envie de jouer à la poupée et au dinosaure. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un monstre très méchant. Dinosaure. C'est un vrai dinosaure. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Papa Pig lit son journal dans le salon. Maman Pig lit un livre. Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Au secours, à l'aide! Peppa, Georges, qu'est-ce que vous faites? Au secours! C'est quoi tout ce bruit? Oh! Au secours! Ah, oh! Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Vous en faites du bruit! Et regardez-moi tout ce qui traîne par terre. Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus. Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant. Oh non, pauvre Papa Pig. Allons les enfants, il est temps de ranger un peu. Mais maman, on joue à la poupée et au dinosaure. Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé. Mais ce sont les affaires de Georges. Tu es sûre de ce que tu dis? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à Georges. Oh non, pas Georges. Il y a peut-être une ou deux affaires à moi. Bon, je vais aider Georges à ranger et Maman Pig aidera Peppa. Si on faisait la course? Les garçons contre les filles. Très bonne idée, on va voir qui rangera le plus vite. Attention, regardez, hop là. Nous avons gagné. Non, pas du tout. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Teddy, je t'ai cherché partout. Vite, Peppa, mets Teddy dans le coffre à jouets. Ça y est, les livres maintenant. Ça fait joli. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Dinosaures. C'est exact, c'est un livre sur les dinosaures. C'est le livre d'images préféré de Georges. Oh, 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 oh. Ça,
c'est le méchant tyrannosaure. Tyrannosaure, méchant. Exactement. Oh, ça, c'est un brontosaure. Brontosaure. Oui. Et ça, c'est un tricératops. Tricératops. Félicitations, Georges. Georges aime les dinosaures. Papa, Georges, si vous ne continuez à pas ranger, vous allez perdre la course. Oh oui, c'est vrai. Allez, Georges, on va mettre ça sur l'étagère. Papa, si vous rangez aussi lentement que ça, maman et moi, on va gagner la course. Non, nous, on va gagner. On a gagné. Non, c'est nous. Nous avons tous gagné. Regardez comme la chambre est bien rangée. Bravo, bravo. Quelle chambre bien rangée. Bravo à tout le monde. Maman, maintenant qu'on a rangé notre chambre, est-ce qu'on peut jouer aux dinosaures et à la poupée? Bien sûr. Vous avez bien mérité de continuer de jouer. Youpi. Où est ma poupée? Et monsieur dinosaure? Ils sont au fond. Dinosaure. Ah, il y a un dinosaure. Au secours. Oulala, la chambre est à nouveau en désordre. Au moins, elle est restée rangée quelques secondes. La bibliothèque. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît? D'accord. Ça s'appelle Le Petit Singe Rouge. Pas celle-là, on la connaît par cœur. Le Petit Singe Rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit. Oui, c'est exactement ça. On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer. Le Tigre Bleu, l'Araignée Verte, le Pingouin Orange. Oh, c'est quoi celui-là? Le Monde Merveilleux du Béton. Moi qui le cherchais partout. Il est à toi, ce livre, papa? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est quoi, une bibliothèque? C'est un endroit où l'on te prête des livres. Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis. C'est le matin. Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors, Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa. Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr. Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière.
et George a choisi un livre sur les dinosaures. Dinosaures. Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la lune. Oh ! Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh ! Tu peux nous le relire ? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants ? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi ! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, Mademoiselle Rabbit. Quant à vous, n'attendez pas encore 10 ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig. Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas. Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance. Delphine Donkey. Allô? Papa Pig, j'écoute. Mr. Pig, who are you? Oh, la liaison est mauvaise. What's the weather like in France? Is it rainy or sunny? Il fait un bruit vraiment bizarre. Hello, who are you? Hello, mister. Can you welcome Delphine for a day? Yes. She's just took the train. Goodbye. C'était Mr. Donkey. Il parlait en anglais. Ah, je me disais aussi. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Oh, youpi! Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Oh! Delphine! Hello! Hello veut dire bonjour en anglais. Hello. Hello. Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh. Oh. Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh. Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser. Parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en « ou » qui font leur pluriel en « x »? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, maman! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Wow! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez-les maintenant. La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle,
Je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello. Oh, hello Delphine. Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, moo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, bing, moo. Bong, bing, moo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, bing, moo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly, boo. Thank you.